Coucou tout le monde, nous sommes le 4 mai, il est 9h20. Oui, c'est ça. Il est 9h20, je suis... Vous allez dire, waouh, pas très réveillée. En fait, c'est pas tant que je suis pas réveillée, mais je suis réveillée depuis 3 quarts d'heure, on va dire. C'est juste que ce matin, particulièrement en tout cas pour cette première partie de vidéo, je vais pas trop parler. Pas parce que j'ai pas envie de parler ou quoi que ce soit, mais parce que je suis encore dans mon matin. Mais on va coudre, on va se rendre à la machine à coudre, on va coudre des liens. Mais voilà, moi je vais pas être très prolixe en termes de discours. Voilà, parce que c'est dans mon matin et c'est pas du tout le fait que je ne veuille pas parler ou quoi que ce soit. C'est voilà, c'est mon week-end, j'ai envie de prendre mon temps. Donc là aussi j'ai envie de prendre mon temps. Merci beaucoup pour les commentaires que vous laissez à chaque fois sous les vidéos. Par contre, ça me fait super, super plaisir. Et à chaque fois que je le dis pas parce que j'estime que bah vous le savez. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, tout ça. Mais je le dis jamais parce que bah vous le savez, depuis le temps vous êtes habitués de YouTube. Si vous souhaitez vraiment voilà, vous abonner, vous l'aurez déjà fait, etc. etc. Donc c'est pour ça que je ne suis pas... Je ne suis pas très regardante là-dessus et que je ne répète pas les choses en permanence. Mais en tout cas, pour les commentaires, merci infiniment parce que vous ne pouvez pas savoir déjà, un, comment ça me touche. Parce que bah, je vois vraiment qu'il y en a qui regardent jusqu'au bout et du coup qui commentent. Et en plus de ça, je vois que grâce à moi, dans mon panneau YouTube, je vois que grâce à vos commentaires, bah en fait, j'ai plus de gens qui viennent sur ma chaîne. Enfin, les statistiques montent, tout simplement. J'ai plus de gens qui viennent sur ma chaîne et tout. Après, comme je dis, moi, je suis pas là pour la célébrité ou quoi que ce soit. Je suis là pour le partage avant tout et pour l'effet de communauté. Après, s'il s'avère que je deviens super famous, et quelle bandeau, je ne pense pas. Bah voilà, je surferai avec ça. Et puis ça, si ça n'allait pas, ça n'allait pas. Peu importe. Moi, l'important, c'est que vous appreniez des choses ou pas, ou que vous juste vous passiez un bon moment. Et moi aussi.
J'ai passé un temps considérable à épingler et à écarter les coutures parce que, en fait, le tissu était extrêmement fin, mais vraiment très très fin. Donc là, j'ai fait les épaules et ce qui va être, comme vous pouvez voir, les manches, les petites manches. J'ai fait l'autre partie du coup ici qui sera la doublure parce qu'il est doublé le haut. Et j'aime trop le tissu. Vraiment. Alors, il sera un peu plus. Voilà, plus comme ça. J'aime trop le tissu. Vraiment. Oh, il est trop beau. Je sais que tout le monde n'aimera pas parce que c'est quand même un peu abstrait. Mais je le trouve vraiment trop joli. Et en fait, j'ai eu un couac. Bah, vous l'aurez peut-être deviné je sais pas, au niveau de la surjeteuse. En fait, elle était enroulottée parce que j'ai rouloté le bas d'une robe. Donc, elle était enroulottée. Et je l'ai changée pour la mettre en surjet. Et je change tout, super. Rouloter, c'est une aiguille. Donc, je mets la seconde aiguille. Je mets tout bien. J'enfile pas. Parce qu'il fallait. J'avais coupé les fils, donc il fallait que je tire les fils. J'enclenche. J'appuie sur la pédale, j'enclenche les deux aiguilles qui se pètent. Les bouts, je sais pas où ils sont, je les ai pas retrouvés. Donc voilà, tu perds. Donc ben super, je les ai enlevés et j'en ai mis de nouvelles. Mais je vais me racheter des aiguilles pour surjeter parce que là ça va pas du tout en fait. Ça ne va pas du tout. Donc je pense que c'est un projet qui va me prendre du temps. Parce que il est particulièrement minutieux. Et comme le tissu est très fin, bah, de toute façon, je pense que ça se voit, la finesse du tissu et la souplesse, la fluidité. Enfin, vous me voyez quand même un petit peu à travers. Pas trop, quand même, je trouve. C'est plutôt bien. Mais. Et là, ce que j'ai fait là, ces deux trucs-là, c'est juste. C'est deux étapes là. C'est juste ça. Ça, c'est épingle. Ça, c'est marque le repère de l'encolure. Et là, c'est coup. Coup les épaules. Ok. Et donc, et là, ce que je dois faire, c'est épingler les encolures des deux empiècements épaule endroit contre endroit et piquer. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, j'aurais pu le faire en même temps. Trop bête. Ok, donc l'encolure. Ok, donc en fait, vous voyez, là, je dois coudre juste l'encolure. Donc, et je dois commencer. Bon, non. J'allais dire, je dois peut-être commencer à 1 cm du bord et tout, mais non, pas du tout. Ok, ça marche. Et ensuite, on épingle les coutures milieu devant de A des deux empiècements. Putain, ça aussi, les explications. Oui, on épingle. Ah oui, on épingle. Mais alors, j'ai pas compris pourquoi on faisait pas ça en une fois. Parce que vous voyez, regardez. Là, ils disent, vous cousez l'encolure et ensuite, vous cousez les milieux devant ici. Tac et tac. Je suis désolée pour ce focus de merde. Pourquoi on ne fait pas hop, hop, hop? Peut-être pour renforcer la couture du coin? Je sais pas. Je sais pas trop. C'est assez bizarre. Ah ok d'accord, et après on a fini avec le col, on s'attaque au corps. Okay. Bon, bah écoutez, je pense que je vais faire le col là, avec vous. Et après on se retrouvera en fin de journée, parce que ma journée va s'accélérer. Et puis bah, j'espère avoir bien avancé la couture d'ici là. Et de toute façon, si au cas où...
j'ai pas trop avancé. Bon, là, normalement, avec ce que j'ai filmé, j'ai assez pour faire un vlog, mais c'est quand même très petit, on va dire. Voilà. Donc, bah allez, on continue. Alors, j'ai décidé que ça, ce serait mon devant par rapport à lui, là, parce qu'il y a plus de roses. C'est tout. Donc, elle va être trop belle. Ah, je sens qu'elle va être trop belle. J'aime trop. Là, rien que le rendu, il est trop cool. D'avoir doublé le haut, que le haut soit doublé. Bon, déjà, ça fait un super fini au niveau du col. Mais en fait, également, ce que ça donne du plombant, ça donne de l'aplomb aux vêtements. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, il y a la couture. Là, je ne l'ai pas mise exactement. Hop, voilà. Là, il y a l'autre couture. Et les manches, pour vous dire, voilà, elles tombent là. Donc c'est des petites manches sympas, vraiment. Non, ça va être cool. Ça va être très joli. C'est dommage que là, ce soit le même motif. Putain, j'ai pas vu, mais c'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ben, je suis bien triste que cette viscose ne soit plus disponible sur le site de Crafty. Bon. Et ce soir, on se retrouve un petit peu plus tard, donc je vais bien mieux que ce matin. Alors, j'ai froncé le dos et les deux devants. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, ils nous font doubler le haut. Donc moi, je pensais qu'ils allaient nous demander de faire la technique du burrito. Donc, c'est-à-dire la technique de la prise en fourreau, très exactement. Eh bien non, j'ai été très étonnée que pas du tout, en fait. Voilà, ça c'est le devant. J'ai été étonnée que pas du tout. En fait, ce qu'ils nous disent de faire, ils nous disent, vous mettez bien envers contre envers ici. Voilà, vous arrangez pour que ce soit bien bord à bord. Tac. Cran. Et, ah pardon, vous voyez pas le cran. Hop là, le cran est ici, très exactement, voilà. Le cran est là. Je vais faire ça, peut-être que vous verrez mieux. Ouais, je pense que ça sera un petit peu mieux. Le cran est ici, donc. Et ils disent, vous prenez un côté. Alors, est-ce que j'ai pris le bon? Évidemment, pas du tout. C'était l'autre côté, voilà, c'est lui. Hop, vous prenez donc un côté. Oh, mais punaise! C'est le dos, ça. Donc, c'est lui, le bon côté. Que vous venez mettre ici. Est-ce que je vais m'en sortir? Jusqu'au premier cran. Alors, moi, mes crans, ils sont un peu claqués au sol, là. Ce cran que nous avons ici. Donc, eux me disent que je dois emmener ce cran-là au cran le plus éloigné. Donc, ici. Ça. Non, c'est là, ici. Mais je pense qu'il y a un gros problème là. J'ai peur. Ok, j'ai compris. En fait, pour eux, il n'y a que deux crans. Pour eux, il n'y a que ces deux crans là. Tac, tac. Bon, bah c'est bon, c'est au bon endroit. Re tout le monde. Alors, il est 20h. J'ai eu une journée bien. Je me suis bien reposée et tout. J'ai avancé sur la blouse un peu hors caméra parce que j'avais besoin de... Je pense que c'était une journée où j'avais besoin d'un peu de calme, enfin je sais pas. Mais j'ai un petit peu avancé, donc je vais vous montrer. Hop. Là. Tac. Donc, la manche ici. Hop là. Et la manche là. Et voilà. Et donc, j'ai avancé comme ça. Comme ça, donc là j'ai fait les fronces comme vous voyez, fronces qui partent sur la manche. Donc j'ai assemblé que un devant, j'ai pas assemblé ni le dos ni l'autre devant parce qu'en fait c'est très minutieux, donc je veux vraiment pas faire n'importe quoi. Du coup voilà, j'ai pris un peu plus mon temps.
J'ai un énorme coup de barre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter la vidéo rapidement et je vais la poster. Donc elle sera postée avant minuit, mais je n'ai pas pris la peine de la poster à 19h parce que je n'étais pas spécifiquement dispo, mais là je m'y mets. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce vlog-là. Je vous dis à demain, j'espère être plus en forme demain. Et puis pouvoir avancer un petit peu plus la blouse d'Elia. Ça prend énormément de temps, hein. Franchement, pour être tout à fait honnête, avec un tissu aussi fragile, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et qu'elle sera extrêmement belle à la fin. À demain.